Hardcore, ouais. On m'a dit, apparemment, ouais, Snaku, t'es trop difficile, enfin, c'est trop facile pour toi, etc. Donc, ce qu'on va faire, on va pousser le jeu en hardcore. Et le niveau difficile du Gwent, on va le pousser en difficile. Non, mais voilà, comme ça, les gens vont pas dire, oui, Snaku, je sais pas quoi, putain. Ok, et pour vous montrer, on va se rebattre contre lui. Ouais. On va le refaire. Bon, là, je risque de perdre. Ok. Allez. On ne dirait pas non à une petite partie de cartes. Attends, change de mon... Ah oui, voilà, c'est ça, prenez... Attends, non, c'est pas ce que je voulais, c'était... Non mais... Ah non. C'est ça. Et c'est... Voilà, c'est ce que je voulais. Double, voilà, c'est double, nickel, parfait. Non mais je vous prouve, hein, comme quoi... je veux dire, on a quand même du niveau sur ce live, hein. On n'est pas là en train de... Hein, de baragouiner en mode, ah mais moi, je l'accoue, non. Je vous montre, hein, qu'on peut le faire. J'ai pas mal de trucs de siège, c'est très cool. Comment c'est la partie? Ok, je pense que je vais regretter cette partie. Je vais la regretter amèrement, mais c'est pas grave. On va quand même la faire. Très cool. Ouais. Wow! Ça, c'est ouf par contre. Ok. C'est quoi ça? Placer la carte dans votre camp d'adversaire. Ah ouais, bah, après, je peux tirer deux cartes. Ok, cool. Mon jeu est pas mauvais. J'aimerais juste en enlever une en vérité. En gros, non! Ok, chat, on a perdu. Dude, merde! On a perdu, je pense. Tu sais quoi, je vais lui donner directement. Je vais lui donner une victoire. 5. Bam, donc là je vais tirer deux cartes normalement. Donne-moi deux cartes. C'est pas les meilleurs. Oh, ça c'est bien. J'aurais bien voulu siège, j'aurais voulu des cartes de siège, mais c'est pas grave. It's okay. Laissez-moi réfléchir. J'ai un leurre, hein. Rappelez-vous, j'ai un leurre. Le leurre c'est très cool, je vous rappelle, hein. Le leurre ça permet d'échanger en fait une carte jouée sur mon truc contre. Enfin, du coup, je pose ça et je récupère une carte dans ma main. Donc, il faut que je réfléchisse à un truc. Non, ça je le garde pour la fin. Avec ça, je le garde pour la fin. Je vais vraiment le garder pour la fin. Je vais jouer ça. Je continue à jouer. Vite. Ok. Il a gagné. Genre, en fait, là, regardez, il a 7 cartes, j'en ai 9. Ok. Tu sais quoi, je donne la victoire. En fait, est-ce que je récupère une carte ou pas? Non, tu sais pourquoi je la. Attends, laisse-moi réfléchir. Est-ce que je donne la victoire ou pas? Est-ce que je récupérerai pas une de deux cartes? Je garde l'heure. Ouais, pour après, si jamais lui il me rejoue la carte, c'est ça? Je garde l'heure. Ouais, je garde l'heure. Ouais, mais je vous donne la victoire. T'as gagné. Il va jouer ou pas? Ok, il a gagné. C'est bon. La force des unités de siège, ok. Sauf si c'est déjà une carte sonnerie de charge, ok. Attends, je vais celle-là. Il va passer, normalement il passe, là. Ouais, nickel, parfait. Super. C'est tout ce que je voulais en fait. C'est tout ce que je voulais en fait. Ah merde, parce que du coup j'ai que des sièges. Et là faut que je joue deux cartes pour pouvoir arriver à son truc.
Parce que ça, c'est double, on est d'accord. Ah, attends, laisse-moi réfléchir. Laisse-moi réfléchir. Là, si je joue une carte... Ah, je peux jouer une carte siège. Et du coup, je la défausserai. Jouer une carte siège et je la défausserai. Mais le problème, c'est qu'après, si je veux doubler les trucs, c'est chiant. Ouais. En fait, je suis pas baisé, mais je suis un petit peu fucked up, en fait. Je peux pas mettre une carte siège que je récupère. T'as pas compris? En fait, là, je vous explique. En fait, soit je récupère celle-là, tu vois. Et je joue... Ah non. Ah. Parce que, regarde, je vous explique. Genre, soit je récupère celle-là et je joue ces deux-là. Sauf qu'en fait, ces deux-là vont faire 16, tu vois. 4, ça va faire 8, 8 fois 2, 16. Parce qu'en gros, elles se doublent, tu vois. Quand elles sont jouées ensemble, regarde, passe cette carte près d'une carte portant le même nom pour doubler la force des deux cartes, tu vois. Du coup, en fait, les deux vont se doubler, ok? Du coup, je les perds, en fait. C'est dommage. Soit ce que je fais, c'est que... Laisse-moi réfléchir. Soit ce que je fais... Là, je peux pas passer. Hein. Là, faut que je gagne ce tour. Il faut absolument que je gagne ce tour. Soit ce que je fais... Je sais ce que je vais faire. Je vais jouer cette carte, tu vois. Et en fait, vu que je vais gagner le tour, faut espérer que je vais tirer la carte avec la meuf là qui me permet de reprendre la carte, tu vois. T'as pas tweet? Si, j'ai tweet. Attends. Si, j'ai tweeté. Attends, je vérifie quand même, mais je crois que j'ai tweeté. Boum. Attends, je vérifie Twitter. Si, j'ai tweeté. Il y avait 43 likes sur le tweet. Si, j'ai tweeté. Merci encore une fois ceux qui retweetent. Hein, le tweet, c'est très cool, les amis. Ouais, je joue siège, c'est ça. Je joue un siège. Et faut juste espérer que dans la carte que je vais tirer, vu que je vais gagner le tour, faut espérer que je rechoppe une carte siège ou que je chope en fait la carte. Tu sais quoi? Jouons comme ça. Tac. Je passe. Ok. Maintenant, je vais tirer une carte. Faut que ce soit une carte siège. Please. Yes! Yes! Dude! We made it! On a mis une carte, il a 6 cartes. Oh, il est mort. Oh, il est mort. Allez. Joue. Ah, c'est à moi? Ok. Ok. Là, on peut gagner. J'ai 2 cartes de plus, on peut gagner. Mais faut jouer intelligemment. Je vais commencer gentiment. Histoire qu'il pense que, tu vois, genre, j'ai des petites cartes ou quoi, tu vois. Je mets un, il va mettre toutes ses cartes fortes, lui. Vas-y. C'est... Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Fuck, j'ai oublié cette carte. En fait, je vous explique ce qui vient de se passer. Cette carte... permet... de... En fait, c'est comme ma carte à moi, en fait. Quand vous voyez ce signe, là, le cœur avec une croix à l'intérieur... Ça vous permet en fait de récupérer une carte dans votre poubelle, tu vois. Et en fait, ce qu'il vient de faire, c'est que vu que j'avais joué cette carte chez lui, il l'a récupérée, il me l'a jouée chez moi. Mais du coup, tranquille, je vais utiliser le leurre que je récupère, tu vois, et que du coup, je vais poser celui. Du coup, je vais encore pêcher deux cartes, tu comprends? Oh, le bâtard. C'est un espion, ça? Place cette carte dans le coin de votre adversaire, l'augmentation totale, et vous tirez deux cartes de votre jeu. Ah, il a encore tiré deux cartes. C'est pas grave. Je vais jouer celle-là. Attends. Ouais. Je vais tirer deux cartes. Donne deux cartes. Cool. Oh, c'est cool de ouf. Oh, c'est cool de ouf. J'ai toujours plus de cartes que lui. Enfin, je crois qu'on est à égalité en vrai, en termes de cartes. Ok. On va passer aux choses sérieuses. Allez. Cette fois-ci, c'est la bonne. C'est l'heure du duel. Tu peux m'expliquer le jeu? J'ai fait une vidéo en fait où j'expliquais le jeu. Je sais pas si les modos l'ont clippé et l'ont mis en tuto. Genre, on va créer un point d'exclamation Gwyn, tu vois. Pour que ceux qui... Parce qu'en fait, j'ai pas envie de réexpliquer à chaque fois, tu sais, les règles. C'est des règles qui sont longues, en gros. Gros, sommaire vite fait, ok, pour ceux qui sont paumés un petit peu. C'est un jeu de cartes, ok, qui se joue contre un adversaire. Classique. Vous avez 3 rangées, d'accord. Chaque carte que vous voyez ici, tu vois, elle se pose sur une rangée. Là, c'est le combat corps à corps. Les archers, j'en ai pas. C'est ça. Les archers, c'est ça. Ok, c'est tout simplement les archers. Et il y a les cartes combat de siège. En gros, le corps à corps, l'épée, les épées vont là. Les cartes épées vont là. Les cartes de l'arc vont là. Et les cartes siège vont là. Ok. Et lui, pareil pour lui, tu vois. Les épées là, les arcs là et les sièges là.
L'idée, le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points que l'ennemi, ok. Là, vous voyez qu'en fait, chaque carte en haut à gauche, c'est sa puissance, ok. Là, vous voyez que celle-ci vaut 5, celle-ci vaut 4, etc, etc. Les points se cumulent, ok, d'accord. Et l'addition se fait ici. Très simple. Par exemple, là, des 5, 4, 9, plus 1, 10. J'ai 10. Lui, il a 5 et 2, ça fait 7. 7, 7, ça fait 14. 14 plus 6, ça fait 20, tu vois. Voilà. Et en gros, là, c'est les vies, d'accord. Donc là, c'est le nombre de vies. Plus... comment dire, vous perdez si, enfin, genre, en gros, celui qui perd, c'est celui qui n'a plus de rubis, ok. Là, vous voyez qu'il nous reste une vie chacun, ok. Là, celui qui perd cette manche a perdu définitivement. Et j'ai peur des cartes qui laissent enfoirer. J'ai vraiment peur. Et il y a des cartes qui ont aussi des facultés. Par exemple, vous voyez ici, là, l'œil. L'œil, c'est les cartes espions, ok. Et quand vous placez, en fait, cette carte chez l'adversaire, vous pouvez pas la placer si vous voulez la placer chez l'adversaire. Et quand vous la placez chez l'adversaire, vous tirez deux cartes de votre deck, ok. Vous avez... les cartes avec un plus, c'est des cartes qui ajoutent plus 1 à toutes les rangées, à toute la rangée en fait des unités à part elles-mêmes. Donc par exemple, si je la pose là, toutes les cartes à part elles auront plus 1. Celle-ci, comment dire, la poigne permet en fait de doubler toutes les cartes de la rangée, enfin, toutes les cartes en fait, portant le même nom, tu vois. Par exemple, tu vois, genre celle-ci qui s'appelle Commando des Strises Bleues. Il m'en faut une autre, donc je l'ai, tu vois. Donc là, si je pose, la carte passera à 8, donc 8-8, ça fera 16, tu vois. Vous comprenez? Voilà. En fait, il y a plein de trucs comme ça, et c'est très cool. Au pire, vous tapez, hein, Gwent, règle, et vous trouverez, tu vois. Donc là, c'est notre nombre de cartes, il m'en reste 7, lui, il en reste 6. Et là, c'est notre, là, c'est nos généraux, entre guillemets, la carte spéciale, la carte chef, qui permet en fait d'avoir un bonus. Chaque chef est différent, ok. Donc lui, il a un bonus différent du mien. Par exemple, lui, il regarde en fait 3 cartes au hasard dans ma main, tu vois. Il choisit 3 cartes, il les regarde, il fait ce qu'il veut. Et moi, en fait, ma carte chef, en fait, c'est que, en gros, cette rangée-là, la rangée siège, elle double toutes les unités. Donc c'est pour ça qu'en fait, je veux des cartes siège, donc c'est les cartes ici-là que vous voyez, puis celle-là. En fait, c'est les cartes qui me permettent d'avoir, du coup, un x2 sur toute la rangée. C'est bon? Vous avez compris? On joue. Alors, il a 20. Je vais vous poser ça. Je suis à 14, mais regardez. Oh, il va encore... Oh, le bâtard. Ok, chill. C'est bon. Tranquille. Regardez. Là, vous voyez que celle-ci, elle est à 4. Ok. Regardez. Je vais poser la même, l'équivalente. Regardez bien. Boum. Elles sont serrées la main. Elles sont passées à x8. Je suis à 26, il a 31. J'ai doublé le truc. C'est quoi ça? Détruisez les unités de combat rapprochées les plus fortes de votre ennemi. C'est la force cumulée de ces unités de combat rapprochées au moins de 10. Oh le bâtard. Je ne connaissais pas cette carte. Oh shit. Oh shit. Mais on peut encore gagner. On peut encore gagner. Ok, allez. Ok, il joue des cartes de merde. C'est une carte useless. Il a joué, ok, c'est une carte useless. On va continuer. Putain. En fait, les cartes, quand vous voyez des cartes qui s'entourent comme ça, c'est des cartes héros, tu vois. Voilà, c'est des cartes héros. Et en fait, ces cartes-là... Faut savoir un truc, toutes les cartes avec un soleil au niveau de la puissance, tu vois, celle-là, elles ont pas, celle-là, elle a pas. Mais celle-là, vous voyez qu'elle a un soleil, et même quand elle les pose, elle s'entoure d'une sorte de flamme. En fait, c'est des cartes héros, et si jamais je pose, par exemple, une pluie ou quoi, en fait, ces cartes-là ne sont pas affectées. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, en fait, c'est des cartes ultra... Ah ouais, non, mais là, par contre, il a tout niqué. Hein. Par contre, là, il a tout niqué. Il reste 2 cartes. Oh, non mais mec... Ah ouais, je suis mort. Oh, il est mort. Bam. C'est bon, il a perdu, je crois. Bam. Et regardez. Là, je suis à 47. Là, je suis à 38, tu vois. Je suis à 38, et regardez. Je fais ça. Mon gars, vous avez vu ou pas? Vous avez commencé à tout doubler? C'est fini, mon gars. Plié. C'est plié. Eh oui, je joue en difficile, mesdames et messieurs. Ok, lourd. Yes. Cette victoire était incroyable. Vous voyez comment, en fait, tout jusqu'à la dernière minute, en vérité, tu vois.
Genre, en fait, ça va jusqu'au bout. Et regardez, il lui restait une carte, ce con. Et il a passé son tour, il a pas joué, tu vois. Il aurait dû la jouer. C'est sûr, en fait, c'était une carte encore, faut être plus 10 ou quoi, tu vois. Mais vu que. Désolé pour le cri, ouais. Mais en fait, vu que. Il pensait avoir beaucoup plus que moi en termes de points, regardez. Il a fini à 58, tu vois. La troisième manche. Et moi, j'avais genre beaucoup moins. Mais il pensait que j'étais fini. Mais non, mon gars. Non, ça va jusqu'au bout. Et vous avez vu, genre, je suis passé de 40 et quelques. Non, je suis passé, ouais, de 40 et quelques à genre 80. Genre, vous voyez comment c'est ultra pété. Ok, bah du coup, j'ai doublé. Vous voyez, j'ai doublé en fait mes gains. Très cool. Le Gwyn, il joue beaucoup. Hein. J'adore ce jeu. Tellement de brain, tellement de trucs. Incroyable. Allez, c'est bon, j'ai tout fini ou pas ici? Attends, il y en a qui m'a dit hier que j'avais une salle cachée ici. Elle est où? Là? Je peux entrer là? Non? Ici, il y en a qui m'a dit hier que j'avais une zone cachée ici. Normalement, les cartes sont jouées. Non jouées sont des cartes météo. Beau temps très souvent. Ah ouais, tu vois, heureusement que j'ai enlevé les miennes en vérité. Chat, elle est où la zone cachée? Salle cachée où ils cherchent bien. Ah ouais? Wait. On va voir. Mais il y a une salle cachée. Je doute que tu le vois sur la carte. Lol. Mirin. Garen Fatgern. Hein? Calme. Ok. En bas. Je sais pas. Hello. Verrouillé. En fait, il faut la clé. I don't know where the key are. Ah, dans le jardin. Ah. Ah voilà, faut lui dire ça aussi, je peux pas le deviner. Hello. Gwyn are... Gwyn, tu vois, même lui, il veut jouer au Gwyn contre moi, tu vois. Un indice, c'est dehors, merci beaucoup, tiens. Les hen has Gwyn. Artung Panzer. En fait, tout le monde a fait le jeu ou il y a que moi qui n'ai pas fait le jeu? Genre, tout le monde sait qu'il y a une salle cachée ici? Avizima. Je t'ai vu, j'étais derrière. Vous êtes un déserteur, Scoyatel. Chat MVP. Cher monsieur Roderick de Wet, veuillez me pardonner pour cette réponse tardive. J'attendais que Golan Vivaldi me confirme la disponibilité de fonds suffisants pour convertir la lettre de change que vous m'avez remise. N'allez pas croire que je ne vous fais pas confiance, mais comme le dit si bien le dicton de Cadwen, aide-toi et le ciel t'aidera. Pour répondre à votre question, il est effectivement possible de réactiver la malédiction de la princesse Ada. Le sorceleur de Rive, c'est moi, n'avait qu'une connaissance rudimentaire des arcanes magiques, alors il n'a pas pu annuler complètement le sort. Il n'a fait qu'en perturber temporairement le fonctionnement. Pour qu'Ada redevienne, une strige, il suffit de saupoudrer sa nourriture de 3 gouttes de sang de son père, le roi Foltès, de 3 gouttes de sang de loup et de 3 gouttes de bile d'une femme récemment enterrée. Ayant dépassé les 100 ans, mais pas encore fêté son 101e anniversaire. Okay. Ensuite, il faut lancer les triangles imbriqués sur les repas. Quoi ? Ainsi, attends, mais c'est quoi ce sortilège ? Ensuite, il faut lancer des triangles imbriqués sur le repas ainsi préparé, cela devrait faire l'affaire, mais demandez-vous bien si vous avez réellement envie d'accomplir un acte aussi ignoble avant d'agir. J'espère faire à nouveau affaire avec vous prochainement, Alessandra Diverl. Diverl ! Ah, tu fais des conneries, Alessandra ? Il n'y avait que ça, c'est tout. Une salle améliorée ? Et c'est pété. Bonjour Phoenix, comment vas-tu ? Le sang dans tes morts.
Il y a plein de trous. Il y a plein de fous dans le jeu comme ça. Mec, c'est incroyable. Allez, go, on se casse. C'est bon, ça m'a saoulé. Je me barre. Attends, j'ai une question. Est-ce que je peux trouver des clés des portes verrouillées ou pas? Parce qu'il y a des portes qui sont verrouillées, mais est-ce que je peux trouver les clés de ces portes? Achtung Panzer. Est-ce qu'on peut trouver les clés de ces portes ou pas, chat? Il y a plein de portes verrouillées, tu sais. Non, on peut pas, ok. Ça sentait ouf en vérité. Karen. Ok. C'est à moi. Karen. Yes. C'est sombre, hein. Le jeu est vraiment sombre. Sombre bail. Et cette haine va de Gern Geralt. Ouais, mais tu vois bien, je comprends pas quand tu parles roumain. Parle français. T'as le jeu est sombre, je vois rien. Bien de faire. Lingue d'acier, propre. Par contre, eux, tu peux voler devant leur nez, ils s'en battent les couilles. Super. Ok, super, merci. Ok. Let's move. Alors, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on doit aller? On doit aller à Velen. Velen. Ok. Wow. Eh, la zone est grande quand même. Dude. Eh, la zone elle est grande de ouf. Ok. Faut aller là, c'est ça. Geralt retrouva Yennefer et le sourire. Mais un événement vital a tourné le sorceleur à Vizima. Il a pris que Cyril merci pour le recevoir. Et dès le retour de son empire, lequel courait un grand danger. Merci. Geralt se lança donc à la recherche de Ciri, sur ordre de l'empereur et injonction de Yennefer. Je me rappelle, en fait, cette phrase, je connais par cœur parce que je venais toujours ici pour jouer au Gwyn, tu vois. Et du coup, à chaque fois que je chargeais la partie, j'avais cette phrase. Merci beaucoup Barloustar, merci Authors One Squad, merci Azok pour les 2 mois, merci Gralou pour les 10 mois de sub en sub tier 2, merci Zebraska pour le sub, bienvenue à toi frérot, welcome, et Gordon le Belge. Velenor de la Temeria, 5 jours plus tard. Velen, c'est épique comme zone, c'est tellement sinistre. Ah ouais? C'est glauque genre? Ah, c'est là où il y a les moires de Torséchine ou pas? Oui, c'est là. Ok, ok. Oh, ouais, j'avoue, c'est glauque de ouf en vérité. Oh, que oui. L'auberge, chemin croisé. Heart of Stone, merci d'avoir acheté l'extension Heart of Stone. Je l'ai pas acheté. La quête que vous suivez est désormais la première quête de Heart of Stone, mais nous vous conseillons de la commencer comme si vous étiez niveau 30. Amusez-vous bien et bonne chance sur la voie. Mais pourquoi me donner une quête de Heart of Stone alors? Enchanteur. En jouant à l'extension Heart of Stone, vous pouvez rencontrer un enchanteur signalé par un bouquin sur la carte. Ce nouvel artisan, unique en son genre, vient d'une contrée lointaine et peut utiliser ses connaissances secrètes pour améliorer considérablement votre équipement. Allez le trouver pour voir de quoi il est capable. Oh. Blood and Wine. Bienvenue dans l'extension Blood and Wine. Ah mais c'est pas possible, attends, mais je peux pas tout faire en même temps. Dans ce mode, toutes les quêtes de l'histoire principale restent disponibles. Pour commencer à jouer aux quêtes de Blood and Wine, vous devez d'abord terminer la quête Un poète sous pression. Ok. Ah, attendez, j'ai une question. Blood and Wine et Heart of Stone, c'est pas des zones différentes? C'est les mêmes zones? Parce que tu as le jeu en version Game of the Year. Oui, j'ai tous les DLC, ouais, c'est ça. Mais zones différentes. Ouais, bah alors pourquoi ils me donnent maintenant? Blood and Wine, c'est une autre map. Ah, et Heart of Stone, c'est pas une autre map? Oh, c'est des zones différentes. Ok. Blood and Wine, différentes. Ah, ouais, ok. Donc, Heart of Stone, non. Mais Blood and Wine, oui. Ok, d'accord. Ok, j'ai compris.
Wait, let me see real quick what we have to do here. Difficulté de la quête. Il se peut que certaines quêtes soient trop difficiles pour vous à un moment donné. Un niveau conseillé est indiqué près du nom de chaque quête. Lorsque votre personnage atteint ce niveau, vous pouvez entreprendre la quête. Ok. Ouais, donc les niveaux, c'est les chiffres qu'il y a en haut. Là. Okay. 32, 5, 10, 16, ok. 32, wow, c'est quoi ça? Ah, c'est cool, ils te mettent le... Putain, hey, Gotti, juste pour ça, c'est Gotti. Au moins, ils te mettent, en fait, genre, c'est une mission de quelle extension? Ok, donc, déjà, est-ce qu'on peut cacher les quêtes Heart of Stone? Non, on peut pas les cacher. Okay. Alors, rendez-vous chez Triss, trouver un bateau faisant route vers Skellige. Putain, c'est quoi, c'est niveau 16, je suis niveau 4, lol. Ok, go faire celle-là, je pense. Ah, j'ai des quêtes secondaires. Complétez votre collection de Gwent, ok. Et gagner la carte unique de Step de Japan de Japan. Mais il est où lui? Il est où lui? Ah, je la veux. Hein. C'est où? Ok. Oh, j'arrive. Panneau d'affichage. Ok. Ah, attends, est-ce que j'ai fait tous les panneaux d'affichage de Blanchefleur ou pas? Je pense que Blanchefleur, on l'a clear, hein, Blanchefleur. Je pense qu'il y a, peut-être qu'il y a plus tard, il y aura un truc à faire, mais en tout cas, je pense l'avoir clear. Ok. Alors, incroyable. Franchement, incroyable. Je suis en... Voilà. Rendez-vous à l'auberge de la Croix des Chemins. Go faire ça, en vérité. Avant. Ok. Carte du monde, c'est où? Ok, c'est pas loin. Ça marche.